Ils sont de plus en plus présents sur les artères de la ville océane. Les objets d'occasion en provenance des pays étrangers. Parmi ces objets, des ustensiles de cuisine, du linge, de la literie et autres. Bien qu'à la portée de toutes les bourses, leur utilisation, alors que sévit encore la pandémie de Covid-19 dans le monde, suscite plusieurs questions liées notamment au danger qu'elle peut présenter du point de vue sanitaire. Difficile de certifier que ces objets ont été désinfectés avant leur commercialisation, ce qui sème le doute chez les acheteurs, de plus en plus méfiants, et la conséquence sur le chiffre d'affaires est immédiate. On témoigne les propos de ce vendeur. Les rentabilités sont plus comme avant, parce qu'auparavant, il y avait de l'argent. Et chaque jour, on pouvait vendre 1 million, 2 millions. Mais là, pour vendre même 500 000, c'est des problèmes. Avec le renforcement des mesures de riposte à la Covid-19, les autorités sanitaires du pays devraient sans doute projeter un regard sur ces objets importés pour s'assurer de leur qualité en vue d'une lutte plus efficace.